Et bonjour à tous, bienvenue sur une petite vidéo de test de jeu. Pour le coup, c'est un jeu qui va vous ramener dans votre plus petite enfance. Oui, ne vous fiez pas à la musique. Donc c'est un jeu que je conseille pour tout le monde parce qu'il y a du gros troll dedans, mais que, enfin, on peut y jouer à 4 ans et demi si jamais, hein. Même à 4 ans, je veux dire. Je pense que, à la limite, un gosse de 3 ans doit pouvoir s'en tirer s'il se débrouille avec un ordi. Enfin bon, concept du jeu. On va reprendre au niveau 1. Le concept du jeu, vous avez un petit train en bois. Vous vous souvenez tous de la chanson « J'ai un petit train en bois qui va pas très vite, ma foi ». Et ben là, c'est exactement ça. C'est ce petit train en bois que tout le monde connaît, vraiment. Et le concept, c'est que vous allez... avoir un petit train comme ça qui circule sur un circuit et il ramasse ses wagons. Et à chaque fois qu'il ramasse un wagon, évidemment, il le place derrière lui, donc il s'agrandit. Et le but, c'est que le train ne se casse pas. Un peu comme un serpent sur un Nokia 3210, pour ceux qui connaissaient à l'époque. Voilà, donc le concept est simplissime. Ça se joue juste avec les touches fléchées. Mais c'est assez génial. Donc je me suis dit que je vous le présentais. Voilà. Et puis la prochaine vidéo de MFF va sortir assez prochainement. Je sais pas encore exactement quand. Et puis, est-ce que j'ai dit qu'il s'appelait Really ce jeu? Il s'appelle Really. Voilà. Et on peut avoir des bonus, bien sûr. Donc là, ce bonus, soi-disant, me rallonge la distance entre deux wagons. Donc m'agrandit le train, donc me met en danger. Mais ça dure un certain temps et après ça s'arrête, hein. Pas d'inquiétude là-dessus. Et comme vous voyez, on ramasse des petits wagons et on s'agrandit et on est content. Ouais! Voilà. À noter que je trouve la musique assez géniale. Franchement, et le niveau graphisme, c'est très gamin, mais c'est super cool. Et j'ai réussi à louper, il y avait une locomotive là. Qu'est-ce que je fais? Il y avait une locomotive là, c'était en fait une nouvelle vie. Hein. Je sais pas si vous voyez mon tournevis qui tourne. Oui, c'est mon curseur. Voilà, et après, un truc génial, quand on arrive en fin de niveau, vous avez un magnifique troll pour 50 points de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Quel est le numéro de l'article suivant? Alors, quand vous êtes petit, vous en avez aucune idée. Mais là, ce qui est cool, c'est que quand vous êtes grand comme ça, après, vous révisez votre Déclaration universelle des droits de l'homme. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Alors, par contre, je n'ai aucune idée de quel numéro c'est, donc on va dire que c'est l'article 13. Ouais, c'est juste. En général, je me plante. J'arrive toujours à trouver mauvais. Voilà. Et on apprécie le petit accordéon pour la musique. Voilà. Puis après, il y a des... Comme on voit, il y a des bonus qui accélèrent aussi. Enfin, il y a plein d'effets comme ça. Ils sont présentés, je crois, tous dans les premiers niveaux, en fait. J'adore cette musique. C'est... C'est nul, hein, je sais. Mais c'est pas grave, moi ça me fait même marrer. Voilà, ah, par contre là, quand on va vite comme ça, ça devient embêtant. Hein. Ah, je suis mort, non! Alors ça, c'est le truc terrible, c'est que quand vous loupez un passage, eh ben vous savez que vous êtes mort. Mais vous allez quand même voir votre train gentiment aller se planter, parce qu'ils sont un petit peu sadiques. Enfin bon, je vais pas m'éterniser sur ce jeu, mais voilà, je pense que si vous avez un petit frère, une petite sœur qui commence avec l'ordi, ça peut être un jeu très très chouette pour lui, pour elle. Alors voilà, je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous le montre. Allez, je vais quand même réussir à finir ce niveau 2. Les suivants, je vous laisserai faire tout seul. Vous êtes assez grand, j'ai décidé. Quel que soit votre âge. Ok, allez, on tourne. Voilà. Du coup, en fait, avec les flèches, on tourne à... On dit juste à la flèche de quelle direction le train doit aller. Hein. On dit pas je veux tourner à gauche. On dit là je veux aller le haut. Enfin, je dois mettre flèche vers le haut. Ça peut paraître logique, mais je le précise quand même. On sait jamais. Ouais! Wouhou! Et alors, on va voir si on réussit juste. Alors, que toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays soit discrètement, directement par intermédiaire de représentants qu'ils vont choisir. Gna 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 gna. Oh, on va dire que c'est l'article 21. J'en sais rien. Encore? Mais j'ai tout le. D'habitude, je me plante tout le temps. Bon, allez, vous savez quoi? On va aller refaire encore un petit dernier parce que c'est drôle. En plus, avec une musique pareille, je suis obligé, quoi. Je trouve ça juste tellement cool. Ça va tellement bien dans l'ambiance du jeu. Ah oui, alors ça, c'est... je sais plus ce qu'il me fait, celui-là. Je crois qu'il me raccourcit le train. C'est possible, ça, que ça me raccourcisse le train? Ouais, je crois.
Alors après, il faut vraiment. Il n'y a pas de limite de temps, hein, donc on fait le trajet qu'on veut, mais il faut juste pas se planter. Et évidemment, chaque niveau devient un peu plus difficile, donc ça devient. On risque de faire des boucles alors qu'on ne devrait pas. Allez, on va recommencer. On va voir si ça. Ah ouais, c'est bien ça, ça raccourcit le train. Ouais, c'est pas mal. Ouais, ça me permet de passer là autrement je pourrais pas. Je me voyais déjà mort en fait. Bon, là j'aimerais vraiment réussir à. Voilà. Yeah! Ok, je commence à masteriser. Je vous jure que c'est pas facile en parlant, mais je crois que je me suis un peu plus concentré. J'avais déjà fait un tournage une première fois, mais je me suis planté systématiquement. Hein. J'ai perdu 3 vies au premier niveau. Ok, gna 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 gna, l'âge de lui, l'homme, la femme, sans aucune restriction, nationalité, droit de se marier, blablabla, mariage conclu, libre et plein consentement des futurs époux. Oui, c'est bien, c'est mieux. Non, à part ça, c'est vachement important la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais pourquoi est-ce qu'ils l'ont mise dans ce jeu? C'est du troll, voilà, j'ai dit. Ok, je décide que c'est l'article 16. Encore? Bon, bah ok, c'est réussi. Ok, alors sur ce, je vais vous laisser là-dessus. N'hésitez pas à laisser un petit pouce de votre couleur préférée. Ça fait toujours plaisir. Le prochain épisode de Mind Test arrive très 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 bientôt. On est jeudi. Nous sommes jeudi quand je tourne cet épisode. Le rendu est en train de se faire derrière pour Mind Test for Fun. Donc je pense qu'il sort vendredi. Voilà. Sur ce, à la prochaine. Ciao tout le monde.